Vous voyez pas derrière, mais elle a des pieds zébés. Ils sont là. Elle a de très beaux pieds, franchement, ça va, la vérité. Tu vois ceux de ma femme, tu pètes un plomb. La tête de ma mère, c'est pas des pieds, c'est des canifs. Vous passez une bonne soirée? Ouais! T'es trop chaud, ton roi. Je pense que t'as deux doigts de sortir ta teub. Voilà. Je pense qu'il doit être en train de bander ce bâtard. Peut-être même qu'il a giclé cet enculé. Peut-être. Ah oui, excusez-moi, je suis désolé. Il y a des enfants, bah. Pardon, je suis désolé. Mais avec moi, je vous le dis, il n'y a pas de chichi. Ça part direct. Hein. J'adore. Devant la dame, elle a fait ah ouais, là, c'est. On est sur un musulman déter. Bonsoir à tous tes amis. Alors, j'ai pas de sketch, voilà. Vive ma mère, j'ai pas de sketch. Je monte sur scène, donc vous avez des thèmes. Vous voulez parler de quelque chose Paris. Tu... Paris. Allez au bon endroit, on vous encule, frère. Ouais, ouais. Au bon endroit. Il applaudit ça, en plus. Déjà, à quel point il aime sa ville. Hein. Vous voulez parler de... Tu veux vraiment parler de Paris? Non, finalement, non. Pas de problème, frère, non, c'est toi. Parce que nous, on monte sur scène, on stresse, on est là. Maintenant, c'est vous, hein. Alors, hein, c'est qui, hein, le boss? C'est moi qui ai le micro, je sais ce que je vais se béaler. Trouvez-moi des thèmes, hein. On fait comment? Comment on fait? Vous avez des petits thèmes ou pas? Ou alors, vous voulez que je clash la salle? Là, je sais faire, tout le monde sait faire. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? Non, pas tes pieds, c'est bon. Et en plus, sa copine, elle a fait ses pieds, s'il te plaît. S'il te plaît, ses pieds. Non, non, plus sérieusement, vous voulez qu'on parle de quoi? Allez-y, dites-moi, un ou deux thèmes. On y va? Les frérots, vous avez des thèmes ou pas? 1, 2, 3, 4, oui. 1, 2, 3, 4. Marié au premier spectacle. C'est pas au premier regard, là. Elle tue cette émission, Marié au premier regard. Mes parents, ils ont fait pareil. Mais eux, c'est marié sans savoir. Et ils ont fait des enfants. Et je suis là. Devant vous. Ma soeur, elle a envie de le faire, Marie, au premier regard. Je lui dis, vas-y, s'il te plaît, comme ça, je viens dans l'émission et je perce. Voilà, que je vais faire des conneries pendant l'émission. Et tout. Vous êtes qui? Je suis humoriste. Je fais des blagues, là, 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 et tout, j'ai trop envie. Après, vous avez vu, après Marie, au premier regard, vous avez vu l'émission qu'il y a? Et si on se rencontrait, t'as vu ou pas? La vie de ma mère, elle est incroyable, cette émission. C'est là que tu te dis, moi, à côté, ça va. Parce que quand tu vois leur date, tu vois des de tes frères, tu te dis wow. Et peut-être même des fois tu te dis ça m'est arrivé. Ah ça m'est arrivé, je croyais que c'était une meuf. Et au moment de faire l'amour, c'était un Thaïlandais. Vous voulez qu'on parle de quoi? Vous voulez qu'on parle d'un truc en particulier ou pas? Non, vous n'avez pas d'idée? Pas d'idée? Frérot, tu veux qu'on parle de quelque chose? Dis-moi, t'as une idée? Pas d'idée? Pas d'idée? Vous voulez pas comprendre quelque chose, les filles? Vous voulez comprendre quelque chose? Il y a quelque chose qui vous chagrine ou pas? J'ai pas de thème, donc dites-moi, sinon on va rester comme ça, comme des cons. Non? Rien? Le coût de la vie. Le coût de la vie? Le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat? C'est la même chose, hein? T'es un peu clochard, non? T'as la même chose, non? Il a dit le coût de la vie, il a dit le pouvoir d'achat, c'est pareil, d'accord? Franchement, je vous dis la vérité, moi par rapport au coût de la vie, au pouvoir d'achat, j'ai envie de dire, on envoie tous un message à Kylian Mbappé. Et on lui dit, cousin, fais un virement, s'il te plaît. A vu le salaire, mon frère. Waouh, c'est incroyable, c'est beau quand même. C'est magnifique ce qui lui arrive. Et il est à moitié algérien. Ouais. Non, on oublie de préciser ça. Autre chose, quel rire, c'est un coming out, ça. Vous avez un autre thème ou pas? Marseille. Marseille? Ah, Marseille, c'est... Marseille est plus qu'une ville, les amis, un pays. Chaque grande ville a un emblème. France, ben Paris, la Tour Eiffel. Marseille, ben ce sont ses quartiers. Pour commencer, vous avez Saint-Antoine, le quartier culinaire de Marseille. Pour un kebab acheté, une diarrhée offerte. Il y a des gens dans le Nord, ils disent qu'on n'est pas organisé. C'est faux, l'hôpital Nord se trouve juste à côté. Vous avez un endroit très connu à Marseille. Vous avez le Vieux-Port. Les gens viennent du monde entier pour découvrir le Vieux-Port. Il se passe énormément de choses là-bas. Du matin au soir, ça commence à partir de 11h, 11h30, avec des manifestations. Oui, à Marseille, tu manifestes, mais pas trop tôt. 16h, 16h30, vous avez des dragueurs qui se mettent à la sortie des bouches de métro, et ils sont alignés, et ils ont ce phrasé extraordinaire qui n'appartient qu'à eux. Ils sont là. Magasin, magasin. Franchement, est-ce qu'ils pensent
que la femme va se retourner subitement et va dire « C'est moi, la gazelle. » Le soir très tard, je n'appelle plus ça le vieux port, j'appelle ça la place Jamaa Al-Afna. Marrakech, il y a des gens qui vendent du thé dans des thermos. Vous avez aussi des rats qui courent partout sur les deux bords. Les rats à Marseille, c'est pas des rats, c'est des chats, mon pote. Moi, j'ai vu des rats qui coursaient des chihuahuas. Et vous avez aussi des gens qui pêchent dans le vieux port. On connaît tous la couleur de l'eau, c'est ça. Tu pêches des Pokémon dedans. Moi, j'ai vu un mec qui pêchait. Il pêchait, jusqu'à deux. Son pote, il rejouait, c'était à trois. Il tirait. Ils ont soulevé un coup la canne à pêche et la bam, c'était un scooter volé. Marseille. Une autre chose ? Venons, on parle d'un autre truc. La Suisse ? Ah, la Suisse. Putain, mais j'ai pas d'anecdote en Suisse, mais j'entends que des trucs comme quoi vous êtes lent, comme quoi il y a le chocolat. Parce que tu es Suisse, c'est pour ça. Comme quoi vous avez des pieds, ils sont incroyables. Oh, il avait la main moite, hein ? C'est pas vrai, il avait la main sèche. Vous avez un autre thème ou pas ? On peut parler de... L'Algérie ? Ah, l'Algérie. Tu me prends par les sentiments, toi. Oh là, on ken à la fin. Non, l'Algérie, qu'est-ce que je te dis sur l'Algérie ? J'aime l'Algérie. Et je déteste l'Algérie. C'est bizarre comme sentiment. Mais n'importe quel Algérien te dira la même chose. On aime l'Algérie. Tu sais, l'Algérie, c'est comme cette meuf toxique. Tu l'aimes, mais quand tu prends 48 heures de bateau pour y aller, parce que le billet est en 1000 balles. 1000 balles le billet pour l'Algérie, vous savez quoi ? Il manifeste en plus 1200 balles, les amis, franchement, entre nous, qu'on se le dise. 1200 euros pour un billet d'avion pour aller en Algérie, franchement, bon là, on va à Tahiti ou en Thaïlande. Sans critiquer l'Algérie ou les Algériens, mais la vie de ma mère, frère, 1000 euros le billet. Si je vais en Thaïlande à 1000 euros le billet, il me reste 500 là-bas et je sais quoi faire avec 500 en Thaïlande. D'ailleurs, tout le monde sait quoi faire avec 500 balles en Thaïlande. Surtout vous quatre. Ça part en massage thaïlandais. C'est bien les massages thaïlandais. Vous connaissez les massages thaïlandais ? On va s'arrêter sur ça. Ce sera la fin. Après, c'est la fin de mon passage. Vous connaissez les massages thaïlandais ? J'adore les massages thaïlandais. J'aime bien. Tu connais ? Tu en as déjà fait ? Non, jamais. C'est de la bombe. Moi, j'ai pas de vice dans la vie. Je trompe pas ma femme. Les femmes, j'ai des potes. J'ai jamais eu de vice avec les femmes, ni l'alcool, ni la drogue. Mais j'ai un seul vice, c'est les massages thaïlandais. J'adore. C'est bien. Elle te prend, tiens, un Rubik's Cube. Et une fois, j'ai voulu changer. C'était au Festival d'Avignon et tout. Je joue mon spectacle. Et je me fais masser par une rebeuse. Une daronne. Ça me masse et j'ai pas aimé le massage, mais je n'osais pas lui dire, tata, j'ai pas aimé, j'avais honte et tout. Mais je su que c'était une rebeuse, vous savez à quel moment ? Quand elle termine le massage, elle a fait ça. Je dis, bien, elle a fait un tagine. Merci de m'avoir invité, je vous remercie. C'est bon, c'est excellent, hein.